la ligne de la vallée du Rhin à Rastatt. Datant de 150 ans, la ligne entre Karlsruhe et Bâle est fortement saturée avec plus de 250 trains du trafic régional, grandes lignes et marchandises par jour. L'extension à quatre voies de la liaison de 182 km permet d'écarter le goulet d'étranglement du trafic ferroviaire interrégional et transfrontalier. Le tronçon Karlsruhe-Bâle, en cours d'aménagement et d'extension, constitue le cœur du corridor de marchandises le plus important d'Europe centrale et fait partie de la route reliant Rotterdam, Cologne, Bâle, Milan et Gênes. L'aménagement et l'extension permettent de réaliser trois objectifs importants. La séparation des trains longs et rapides permet des vitesses de pointe de 250 km/h pour le trafic voyageurs grande ligne. Les horaires des trains régionaux peuvent être rendus plus attrayants. Cela signifie de fortes améliorations du temps de trajet et du confort pour les voyageurs. Le temps de trajet est ainsi réduit à 69 minutes entre Karlsruhe et Bâle, une demi-heure de moins qu'aujourd'hui. La capacité du trafic de marchandises est augmentée et ainsi adaptée à l'importance économique croissante de la magistrale européenne. À Rastatt, les nouvelles voies à grande vitesse sont réalisées par deux galeries de tunnels à une voie passant sous la ville. Les lignes d'accès au nord et au sud du tunnel passent par un sas. Le déplacement du trafic grande ligne et marchandises vers le nouveau tunnel signifie aussi une amélioration de la qualité de vie pour les habitants de Rastatt. Outre une réduction substantielle des nuisances sonores, nous pouvons aussi rendre le trafic régional plus attrayant à l'avenir. Les deux galeries de 4270 mètres chacune sont le deuxième ouvrage de tunnel le plus important du projet d'aménagement et d'extension. L'ouvrage débute au nord avec une cuve à eau souterraine d'environ 800 mètres à l'est de Tichheim. Ensuite, le tunnel passe sous la plaine du Federbach et la zone urbaine de Rastatt. Au niveau de Niederbühl, le tunnel se termine par une cuve d'eau souterraine d'environ 1 km de long. En tant que maître d'œuvre, la Deutsche Bahn a adjugé la construction d'un volume total d'environ 312 millions d'euros à l'Argetunnel Rastatt, un groupe de travail regroupant les sociétés Zublin et Hortif Solutions. Au printemps 2015, l'Argetunnel Rastatt a commencé l'aménagement du chantier au niveau du sas nord près de Tichheim. Après un sas de 800 mètres, la construction du tunnel commence ici avec un tronçon de 45 mètres en construction ouverte. En raison de la nature des sols et du haut niveau de la nappe phréatique dans l'aire de la ville de Rastatt, seul un chantier en construction fermée avec deux tunneliers entre en ligne de compte pour la partie principale du tunnel d'une longueur d'environ 4 km. Nous nous trouvons ici dans le sas nord du chantier de tunnel Rastatt. Il fait 18 mètres à l'endroit le plus bas. Dans ce sas, qui est actuellement bétonné, deux tunneliers d'un diamètre de 11 mètres seront ensuite mis en place. Les deux machines ont une longueur d'environ 85 mètres et doivent démarrer début 2016. Le chantier nord à lui seul englobe environ 100 000 mètres carrés. Outre le complexe de bureaux de chantier et le centre d'info de la Deutsche Bahn, il possède aussi ses propres installations de séparation. C'est ici que sont recyclés plus de 700 000 mètres cubes de gravats provenant du creusement par les deux tunneliers. Sur les chantiers sud et nord ont été installées des stations de traitement des eaux usées épurant toute l'eau utilisée sur les chantiers. Ainsi, toute l'eau remise en circuit est propre. Pour la création des sas sud et nord, environ 37 000 mètres carrés de pales planches d'un poids total de presque 10 000 tonnes ont été enfoncées dans le sol. Les pales planches ont été fixées à l'aide d'environ 2 000 ancrages plantés dans le sol jusqu'à une profondeur de 35 mètres. À cause du niveau de la nappe phréatique, le sas a dû être excavé sous l'eau. Ensuite, une base ancrée d'un mètre d'épaisseur a été bétonnée sous l'eau. Pour cela, jusqu'à 20 scaphandriers sont intervenus. Après seulement, l'eau a pu être pompée et l'armement pour les dalles de béton de 1 mètre à 2,50 mètres d'épaisseur a été mis en place. Pour les deux sas et le tunnel en construction ouverte, environ 140 000 mètres cubes de béton ont été utilisés. Outre les deux chantiers principaux aux entrées nord et sud du futur tunnel, il y a aussi plusieurs petits chantiers répartis sur la zone urbaine de Rastatt et indispensables à la préparation du creusement et à la maintenance des deux tunneliers.
Les deux zones dans lesquelles le terrain doit être consolidé par congélation en font également partie. La congélation a lieu en deux endroits particulièrement sensibles. D'une part, au niveau de la zone alluviale du Federbach, où nous avons seulement une couverture très faible. La deuxième a lieu dans la partie plus au sud du chantier, au niveau du franchissement de la ligne de la vallée du Rhin, où il s'agit de passer en dessous de l'un des tronçons les plus fréquentés d'Allemagne, à une distance minimale, sans restreindre le trafic ferroviaire. Avec une surveillance ponctuelle des rails sur une grande surface, chaque changement dans le ballast de la voie est immédiatement détecté. Lors de la congélation, le sol est refroidi à une température négative avec une saumure aqueuse et ainsi consolidé un mois avant que les tunneliers ne commencent à creuser. Ensuite, les corps congelés dégèlent sans résidus. De ce fait, ce procédé est particulièrement écologique. La protection de l'environnement et de la nature est essentielle pour nous et est résolument intégrée dans la planification de tous les grands projets de la Deutsche Bahn. Ainsi, de nombreuses mesures ont également été prises autour du chantier du tunnel de Rastatt afin de protéger faune et flore. Ainsi, par exemple, les chauves-souris et lézards ont été déplacés pour la durée du chantier. De nombreuses barrières de protection pour animaux ont été dressées et une partie du Federbach a été détournée vers des tubes isolés pour le protéger de la congélation. À l'arrivée des composants pour le premier tunnelier, le compte à rebours démarre pour les 3 mois de montage sur place. Le creusement commence dans la galerie Est début 2016 et se termine à l'automne 2017 par le percement de la galerie Ouest au sud de Rastatt. Une fois que les ouvrages de liaison seront également achevés, au milieu de l'année 2018, l'aménagement intérieur des deux galeries de tunnels pourra alors commencer et les premiers trains circuleront ensuite dès 2022 dans le nouveau tunnel ultramoderne de Rastatt.